Merci. Alors l'atelier auquel on a participé, qui concernait en fait les messages et les médias, consistait à donner aux activistes, parce que c'est un peu le mot anglais, enfin on va dire aux militants de la campagne ICANN, des éléments sur comment arriver à faire passer des messages. Ce qui ressort principalement de cet atelier et de cette formation, finalement on peut appeler ça comme ça, c'est la nécessité de vraiment ne pas vouloir faire passer trop de messages à la fois, mais bien systématiquement de cibler un message, une idée, une personne, de raconter une histoire et de raconter l'histoire du désarmement. Et donc en France, on a tout intérêt à systématiquement rabâcher, j'ai envie de dire, enfin redire systématiquement que l'objectif, c'est l'objectif d'un monde éliminé des armes nucléaires, qu'aujourd'hui les armes nucléaires sont un danger pour la planète et que la seule solution de s'en prémunir, c'est de s'en débarrasser. Et que pour ça, il y a un outil à notre disposition, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et c'est tout l'enjeu des mois à venir de marteler ce message en permanence pour convaincre à la fois l'opinion publique et les médias on va dire institutionnels, sachant qu'aujourd'hui notre premier média, c'est quand même l'ensemble des militants qui sont engagés dans cette campagne et qui autour d'eux essaiment, convainquent leurs familles, leurs amis, leur propre entourage pour les engager avec nous dans cette campagne, une campagne pour la vie, parce qu'aujourd'hui il y a deux alternatives. Ou on élimine les armes nucléaires, ou c'est les armes nucléaires qui vont nous éliminer. Il n'y a pas d'autre alternative possible.